Ah, c'était très facile d'enlever l'écorce là. Vous avez vu? Hop! Et là, qu'est-ce que je trouve? Ça, tout ça, ce sont des déjections que je tire. Hein. J'enlève un autre bout d'écorce très facilement. Et là, voilà la larve. Elle est énorme. Elle est bien grosse. Je pense qu'elle a subi un peu les intempéries qu'on a eues ces derniers jours avec les tombées d'eau. M'a pas l'air d'être très, très en vie. Mais elle est là. Je vais la sortir. Voilà. Oh là là. Et voilà la larve. Elle est un peu endormie. Parce que je pense que tout ça, ça a pris l'eau. L'eau est rentrée dedans et s'est gorgée. Ça s'est gorgé d'eau. Et elle était juste en train de creuser son trou. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. En fin de compte, là, elle mangeait le phloem. Juste en dessous l'écorce. Et comme elle avait atteint sa taille maximale, elle a commencé à creuser dans le bois dur un trou. Regardez, je peux mettre ma pince. Hein. Un trou dans le bois dur pour passer l'hiver et se métamorphoser en adulte et sortir au printemps, début été, en adulte.